Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera en cours particulier avec ma DP, donc Slow Blues, qui n'est plus ma DP d'ailleurs parce que c'était la dernière séance, la dernière fois que je le montais. Voilà, donc je n'expliquerai pas la raison sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou Instagram, je n'expliquerai pas la raison pour laquelle j'ai arrêté la DP. Mais voilà, donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, ça fait déjà un moment que je l'ai plus en demi-pension. Mais du coup, je vais prendre Pin-Up, donc la jument que vous voyez juste là, qui est la jument de ma vie, hein, clairement. Cette jument-là, j'ai eu un coup de cœur énorme et inexplicable pour elle. Et donc, je la prends en tiers de pension. Donc, j'aurai un cours et une monte libre par semaine avec elle. Et ça sera donc à partir de mars. Enfin bref, donc revenons à la vidéo et au sujet de la vidéo. Donc du coup, on a pris un cours particulier, donc... j'ai pris un cours particulier avec ma coach, donc de saut, mais un peu de plan. En fait, on a vraiment beaucoup revu les bases parce qu'en fait, il a un équilibre très... je n'arriverai pas à redire ce qu'elle m'avait dit. Et enfin, voilà, il sait pas trop se tenir. Du coup, voilà, on a vraiment travaillé la simplicité. Donc, on a beaucoup travaillé sur un cercle, au pas, au trot et au galop, sans que je lui demande rien. Dans les mains, donc vraiment sans que je vienne en fait le contraindre en lui demandant par exemple de s'incurver ou de se mettre en place, enfin voilà, vraiment je le laissais faire juste qu'il avance mais en étant calme et voilà. Et après on a travaillé sur un dispositif d'obstacles mais vraiment pas très haut. Au début on l'a fait avec des barres au sol, puis des barres au sol élevées, et après on a mis des petits obstacles, mais vraiment c'était très petit, c'était vraiment pour le but c'était vraiment qu'il travaille en fait dans le calme. Et ce qui a été le cas, hein, franchement, il a été vraiment super. J'ai rien à dire, il était, pour une dernière séance avec lui, il était vraiment bien. Donc voilà. Voilà, donc, essaye de mettre le moins possible ta main. Moi, ta main sur moi. Voilà. Ne cherche pas à lui prendre un contact de main. Il prend
Il est très bien là. Pas mal qu'il a pas de lumière en bas, il est.
Il monte vite en pression, lui, hein. Il s'excite vite, hein. Ouais. Et puis il a l'habitude des courses aussi, d'aller à fond. C'est chaud de course aussi, non? Voilà, relâche-toi dans ta main dès qu'il est bien comme ça. Voilà, tiens-le dans tes épaules. Ouvre tes doigts. Voilà. Là, continue ton galop, il est bien et il est cadencé. Serre-toi ta reine extérieure pour le tenir un petit peu dans ta courbe. Encore. Et là, relâche tes doigts. Voilà. Ok, repasse au trot et au pas. Voilà, serre-toi ta reine extérieure. Écarte ta main. Voilà. Et garde ta main posée comme ça. Laisse-le faire. Parfait. Remets-toi juste dans le calme. Prends le temps. Et galop à droite. Voilà. Et pareil. Je prends et je relâche. Et là, pose ta main. Ouh. Et ouais. Mais là, pourquoi à ton avis il a fait ça, Clara? Sois tranquille dans la bouche. Voilà, tiens-le dans ton dos, garde tes doigts ouverts, laisse-le tranquille. Et oui, mais t'as remis ta main, refais Clara. Là, tu commences à te poser des questions où il n'y a pas la place. Là, on se pose trop de questions. Ouais. Voilà, ne te pose pas de questions, garde tes doigts ouverts. Voilà, ok, remets dans le calme et au galop à droite. Il est trempé. Il n'y a pas beaucoup. Ouais. Pinou. Bah ouais. Bah, le grappis qui reste, quoi. Tiens. Plus ça me fera moins de l'autre. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, de liker, de commenter et de partager. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!